Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine malgré que c'est vraiment l'enfer là. On s'entend-tu qu'il n'y a pas fait beau de la semaine, c'est l'automne, la vraie automne là. Avec la grisaille, les journées qui diminuent en clarté, c'est effrayant. Écoute, j'espère que tu as gagné tes élections, hein, d'ailleurs fédérales, on est correct pour peut-être 2 ans avant d'aller retourner voter. Écoute, quand même, avec tout ce qui puis toute la semaine qu'on a eue, j'ai quand même pris le temps, pour toi bien sûr, de regarder là, puis d'identifier les vrais rabais de la semaine du 24 au 30 octobre. Donc c'est déjà la dernière semaine du mois d'octobre. Après ça, c'est l'Halloween, donc on se prépare tranquillement. Mais écoute, commençons tout de suite avec IGA. Écoute, chez IGA cette semaine, il y en a un peu partout d'ailleurs, leur outil de porc, les pots. Hein, frais, là, hein, pour faire du bon porc effiloché, là. Puis il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça, autant dans le sucré, dans le salé, dans le piquant. Vraiment, c'est une viande qui est super pour faire plein, plein, plein de petites recettes, là. Écoute, à 1,49 la livre, ou si tu préfères, 3,28 le kilo. Pour cette pièce-là, c'est vraiment pas cher. On peut nourrir bien du monde avec une épaule de porc frais comme ça. Si t'as une mijoteuse, une cocotte ou un Instapot ou quelque chose comme ça, c'est vraiment facile à faire comme viande. Aussi, chez écoute, IGA, le demi-filet de filet mignon. Du filet mignon. Un petit filet mignon. Tout sous vide, là, paré. Normalement, ça, tu sais, quand on prend l'entier, là, t'as la queue, t'as le rôti, puis t'as le milieu, là, tu sais, ben, c'est pas mal ça, là. On dirait qu'on voit, là, dans ce spécial-là, à 15,99 la livre, ou si tu préfères, 35,25 le kilo. Donc, écoute, vu qu'il est paré, ça revient à un très bon prix, parce que ça vaut à peu près le double, ça. Paré comme ça, donc vraiment, un coup tu l'as, tu peux le faire cuire comme ça, hein, en rôti, ou bien te faire des bons petits steaks avec ça. C'est sûr que c'est une protéine qui est facile puis qui est dure à manquer, hein, parce que c'est tellement tendre. Il reste qu'à donner un petit peu de goût, puis c'est tout. Aussi, chez IGA, ben écoute, le filet de truite, un beau filet de truite frais canadien, là. Attention, 8,99 la livre, mais c'est pas, il y en a ailleurs, tu vois, c'est pas le moins cher cette semaine, mais quand même, à 8,99 la livre, ou si tu préfères 19,82 le kilo, c'est quand même pour le poisson de cette qualité-là. Écoute, c'est tellement facile à faire, là. Tu peux faire, puis c'est vraiment pas de trouble aussi, hein. Mets ça dans le four, 23 minutes à 350 maximum. Tu ne vas pas le faire cuire raide, raide, là. Hein, c'est comme le saumon. Le filet de saumon, le filet de truite, là, moi, je l'ai fait cuire à peu près de la même façon. Sauf que tu remarqueras que le filet de truite est plus mince normalement que le filet de saumon. Moi, je préfère le filet de saumon. Mais quand même, le filet de truite, c'est super bon. Mais c'est facile de le faire trop cuire. Ça, je vais en venir. Enfin, regarde, là, je dis 23 minutes, mais si vraiment mince, ça peut être un petit peu moins que ça, là. Ça peut être 20 minutes. T'es mieux, en tout cas, dis ça une chose, de le faire moins cuire que trop cuire. Parce que s'il est moins cuit, ben, tu peux toujours le refaire cuire un petit peu, tu sais, 1 minute, 2 minutes, tandis que s'il est trop cuit, il est trop cuit. C'est fini. Il te reste à le mettre dans une sauce blanche pour le sauver. Mais écoute, c'est ça qui est ça cette semaine pour chez IGA. Continuons tout de suite avec Maxi. Écoute, Maxi, lui, c'est le filet de saumon. Le filet de saumon à 8,88 la livre, ou si tu préfères, 19,58 le kilo. Hey, pour du vrai bon filet de saumon, mon Dieu, il n'y avait pas ça de passé, hein? Ça, ça venait, il y en a. Donc, on va en profiter. C'est chez Maxi. Très bon aussi, hein, parce que chez Maxi, là, souvent, on dit, oh, la viande, non, non, c'est fait à l'extérieur. Fait que les autres, du gars là, qui place ça dans les comptoirs, là, ils ne touchent pas à ça. Hein, fait que ça fait un tiers de moins qui y touche. Puis normalement, ceux qui font ça dans les usines, ben, ils font juste ça, là. Ils sont vraiment settlés juste pour faire ça. Fait qu'il n'y a pas de contamination, souvent, quoi que ce soit. Puis il est vraiment bien. Moi, en tout cas, j'ai jamais été déçu quand j'ai acheté un filet de saumon chez Maxi. Tout ça de même. Aussi, chez Maxi, la poitrine de poulet avec l'os. Donc là, tu n'as pas la peau. Okay, comme la semaine passée, là, tu as vraiment juste la poitrine de poulet tout dégraissée avec l'os. Donc ça, c'est sûr que tu peux pas mettre ça dans le four parce que là, pas de peau, il va sécher. Puis commencer à le parer, à enlever l'os, puis paquet de troubles. Okay. Ben, tu peux le faire, là, c'est sûr, là, si tu veux faire ça, parce que quand même, il n'est pas cher.
est à 2,88 l'allée, ou si tu préfères 6,35 le kilo pour du bon poulet, là, le suprême de poulet. Mais quand même, si tu commences à, surtout s'il n'est pas cuit, à essayer de juste enlever l'os, de la perte là-dedans, c'est sûr que tu peux faire ça, puis garder ces os-là, puis faire de la soupe. Mais moi, je vais faire de la soupe pareil. Mais je vais tout mettre mes belles poitrines dans de l'eau salée. Tu le fais bouillir, là. Regarde, là. 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, ça dépend là, de la grosseur. Puis, mais tu le vois tout de suite. Tu le mets 20 minutes, là, fais bouillir ça. Hein, puis tranquillement, là, tu regardes avec ta fourchette s'il se décolle de l'os. Puis aussitôt qu'il commence à se décoller de l'os, c'est parfait, il est prêt. Parce que tu peux le faire sécher même dans l'eau. Tu sais, si tu l'oublies là pendant 2 heures, là, dans ton poulet, il va sécher, il va tout enlever son jus, c'est pas ça que tu veux non plus, tu veux qu'il reste juteux, puis bon, hein, puis tendre surtout, puis s'il a trop séché, bien, plus qu'il a séché, plus qu'il va être raide. Hein, si tu te rends compte, c'est raide, parce que tu l'as trop fait cuire, c'est pas si simple que ça. Mais comme je te dis, encore là, c'est comme le poisson, c'est comme n'importe quoi. C'est plus facile de continuer à le faire cuire que d'essayer d'y enlever de la cuisson, ça c'est impossible. Ça c'est évident. Mais là, tu le mets dans l'eau bouillante comme ça. Après ça, tu t'en mets plusieurs, un gros chaton, ah ouais, là, du coup. Puis là, au bout de 20 minutes, 25 minutes, tu les enlèves. Là, quand c'est dégâté, c'est facile. Là, l'os s'enlève tout seul. Fait que tu gardes toutes tes os, tu gardes ton bouillon, dans le fond, parce que t'as fait un genre de bouillon. Tu remets toutes tes os là-dedans, puis là, tu le refais. Là, tu peux le faire pendant 1 heure, 2 heures. Tu peux rajouter toutes tes... Je sais pas, moi, tu avais des queues, par exemple, de brocolis qui testaient, des carottes là, qui sont moins belles. Ah ouais, là-dedans, un céleri, un oignon, tu te coupes un oignon, tu mets ça dans ton bouillon, tu te fais bouillonner tout ça comme il faut, avec un peu de sel. Si tu n'as pas mis assez, tu en rajoutes une petite affaire. Puis là, tu laisses bouillir ça, puis tu passes tout ça au tamis, puis tu te fais un bouillon de poulet. Fantastique avec ça, c'est super bon. Puis là, tu as du poulet, hein, super blanc, fait que tu peux te des petits cubes, puis de faire une soupe avec le poulet. Puis toi, c'est sûr, tu peux pas tout ton poulet, ça n'a pas de bon sens. Mais tu vas t'en rester pour faire des hot chicken, des vols au vent. Tu peux te faire après ça, si ça te tente, des pâtés au poulet. Hein? Tu peux faire plein de choses avec du poulet, écoute, c'est tellement chaud. Puis un coup qui est cuit, mais ça devient super facile de faire le souper. Donc écoute, le poulet avec os, c'est chez Maxi. Aussi chez Maxi, la saucisse, la fernandière, 4 saveurs. 900 grammes pour 4,88, donc quasiment un kilo c'est 1000, donc 900 grammes, ça là, c'est sûr que pour 4, là, on en masse, là, on fait sûr qu'il y en a trop, en fait, on ne mangera jamais tout ça, c'est 2 livres de saucisses, un coup qu'on a mangé, parce qu'il y a quand même à peu près, je te dirais, une douzaine de saucisses, donc tu sais, si on en mange toutes 2 chaque, là, hein, des fois, les petits cochons, comme moi, ils en mangent 3, mon petit. Puis là, il m'en restait juste 3-4 à la fin du paquet. Fait que tu sais, on ne mangera pas tout le paquet, ça je vais en venir. Puis si tu manges tout le paquet, mais ça devrait coûter quand même juste 4,88. Puis avec un petit accompagnement, un petit légume, une petite salade avec ça. Là, c'est, hein, tu essaies de mettre quelque chose de frais, c'est parce que c'est gros, la saucisse. Fait que tu l'as, ton gars, là, ta protéine, ton gars. Après ça, tu essaies de rajouter de la fraîcheur dans ton assiette pour venir compenser tout ça. Donc écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine. Continuons tout de suite avec Métro. Chez Métro, écoute, le haut de surlonge. Ah, chez Métro, il y a des belles protéines cette semaine. Vraiment. Le haut de surlonge, entre autres. Écoute, c'est comme le... Ça ressemble à la rôti du roi, mais beaucoup meilleur. Hein, puis qui vaut bien plus cher. Beaucoup plus tendre. Il n'est pas piqué, celui-là. Parce que, tu sais, le rôti français ou l'intérieur de ronde, c'est une partie qui est plus qui est tellement peu grasse, là. C'est une protéine, là, je te dirais, qui est vraiment maigre. Donc, pour l'attendrir, il passe dans une machine, c'est comme des petites aiguilles. Il pique tout ça, on le voit d'ailleurs, comme des petites roues, là. C'est un peu normal, parce que ça casse la fibre. En cassant la fibre, ben, il devient plus tendre quand on va le faire cuire. Parce que c'est une viande, vu qu'on justement qu'on le pique, ben là, on prend la bactérie sur le dessus et on la met dans le milieu, hein, quelque part. C'est ça que ça veut dire quand même. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger de cette viande-là, le rôti du roi, je parle, ou l'intérieur de ronde, saignant. Tu peux roser, c'est pas grave, là, mais saignant, tu peux pas. Tandis que le haut de surlonge, lui, tu peux le faire saignant, tu peux le faire de tu peux le manger de même. Et vraiment, c'est une viande super tendre, beaucoup plus chère. Puis là, cette semaine, écoute, il y a combien? Là, 3,99 la livre, ou tu préfères 8,80 le kilo. C'est souvent l'intérêt de ronde en spécial, il tombe à ce prix-là, à 6,59, 8,80. Donc, puis d'ailleurs, cette semaine, à ce prix-là, d'ailleurs,
L'intérieur. Mais là, l'autre surlonge, vraiment, ça, c'est un rôti super. Tu l'as en steak, tu l'as en rôti. Écoute, essaye ça. C'est une très bonne viande. Enfin, un petit roast beef qu'on appelle. Là. Ça, c'est de best. L'autre surlonge. Ça, c'est chez Métro. Continuons avec Métro pour le rôti de porc. Regardons ça, l'épaule, un autre épaule, comme chez IGA. Mais lui, au lieu d'être 1,49 comme chez IGA, il était 1,39 la livre. Là. Un 10 cents, mais quand même, c'est 10 cents la livre. Donc, ou 3 et 6 le kilo pour ça. Écoute, avec ça, tu sais, tu peux faire du porc effiloché. Fait que, bon, effiloché, hein. Souvent, on voit ça dans les pubs, dans les affaires de même, là, tu sais, c'est sexy, quelque part. Mais on peut s'en faire, on peut s'en faire, puis c'est facile à faire, c'est super facile, il y a tellement de recettes. C'est sûr que même, il y a des personnes qui font des sauces, peut-être c'est un peu trop cher, ça coûte plus cher que le morceau de viande pour faire ta sauce. Fait que, écoute, il y a des sauces là, que tu peux te faire rapidement avec le ketchup, le sauce chili que tu as chez vous, des choses de même, là, ou des petites sauces déjà faites barbecue, des petites sauces Diana pas cher, qui vont faire la job pour t'aider si tu veux vraiment pas cuisiner. Hein? Parce que là, tu peux juste rassembler des produits ensemble, tu mets ça dans ta cocotte, puis ça te fait du porc filoché, puis c'est super bon. C'est chez Métro à ce prix-là. Aussi chez Métro, écoute, les os de cuisse désossés. Donc, pas d'os, pas de peau. Super, une belle petite protéine que tu peux faire autant sur la cuisinière que dans le four, que dans le croque-pot ou dans l'instapot. Bon, c'est vraiment une viande super. T'as fait mariner moindrement un peu, là. Tu peux la faire autant avec un goût sucré que tu peux le faire avec un goût salé ou épicé. Tu peux en faire suffisamment pour que tu en laisses dans tes lunchs, que tu peux te faire des lanières après ça dans une salade, tu coupes ça en des petits cubes dans une salade ou écoute, dans un macaroni ou il y a tellement de choses que tu peux faire avec ça, un coup qui est cuit. C'est super. Puis normalement, on aime tout ça, le poulet, hein, que tu veux faire, c'est super bon. Fait que ça, c'est chez Métro cette semaine. Continuons tout de suite avec Provigo. Écoute. Chez Provigo, cette semaine, ben écoute, lui ici, il y a le haut de cuisse et la poitrine. Donc, tout désossé, pas d'os, pas de peau, toute la patente. Donc là, à 3,99$, même chose que chez Métro. Comme je te dis, Métro, c'est juste les hauts de cuisse, il n'y a pas les poitrines. Mais chez Provigo, il y a aussi les poitrines au même prix, à 3,99$ la livre, où tu peux faire 8,80$ le kilo. Là, c'est tiki-dou, là, parce que là, t'as tout, tout, là, t'as vraiment quasiment, t'as les meilleures parties, bien sûr, du poulet. Donc, c'est à toi de savoir que ce que tu veux là, par rapport à ce que tu veux faire. Hein? Fait que, tu sais, c'est chez Provigo aussi la filet de truite. Écoute, j'ai dit que la filet de truite, hein, il avait deux, trois places. Ben, il l'a chez Provigo, mais c'est là qu'il l'a le moins cher cette semaine. Parce qu'il est à 7,99 versus chez IGA, je regarde bien, là, à 8,99. Donc, 7,99, 8,99, donc une pièce la livre. C'est plus que le 10 cents de l'épaule de porc. Là. Donc, une pièce la livre, ça commence à paraître, parce que quand on achète filet de truite, veut pas, on achète ça un kilo c'est 2 livres, donc 2 livres, tu sauves 2 piastres. Déjà au prix, à 8,99, c'est un bon prix. Là, tu sauves encore plus chez Provigo avec le filet de truite, comme je te dis, à 7,99 la livre, où tu peux faire 17,61 le kilo. C'est la meilleure place pour le filet de truite cette semaine, c'est chez Provigo. Fait que tu sais. C'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Continuons finalement avec Super C. Écoute, chez Super C, c'est la seule place qu'il a cette semaine, c'est la cuisse de poulet. La vraie cuisse, là, avec l'os, la peau, puis toute la patente. On va se faire un petit souper style rôtisserie, là. Ça, c'est parfait, ça. C'est des soupers que les enfants adorent le plus, hein, parce que, tu sais, ça au four, puis c'est tellement facile. Mais ça au four, tu peux te paprika là-dessus, c'est le poing, tu peux mettre entre la peau, puis... Un petit peu de beurre, ça te tente, là, tu peux lui donner un peu plus de goût, mais juste comme ça, là, avec du sel, du poivre dans le four. Merci, bonsoir. Avec une petite sauce là, que je me fais Saint-Hubert à une pièce l'enveloppe, puis il y en a encore cette semaine. Écoute, puis souvent, j'ai pour moi, soit des hamburgers ou des pains hot dogs qui me restent, là, fait que je les sépare en deux sur le toaster, hein, avec la petite sauce, les frites congelées, puis ça, écoute, ça coûte à rien. Puis là, ça fait comme un souper de rôtisserie, fait que les enfants adorent ça, c'est super le fun. Puis on conserve les os, encore là, parce que même si ils sont cuits, là, on n'a pas été dans l'eau rien, fait qu'on les conserve. Puis là, je fais une bonne soupe après ça avec ça, puis tout, écoute. Donc, je perds pas une scène avec ça, là. Je fais de l'argent avec en achetant des cuisses de poulet parce que je m'en sers, moi, vraiment. Je suis camouelle. C'est le cas de le dire. Aussi, écoute, ça, écoute, je sais pas du prix, 97 cents la livre.
Ou 2,14 de kilos à 97 cents. 99 cents, c'est super. 97 cents, c'est juste pour que ça soit encore plus intéressant. Mais c'est vraiment pas cher. Ça coûte pas, ça coûte rien. Aussi, chez Super C, le rôti du Watt, je t'en ai parlé tantôt, il y a le haut sur long chez Metro à 8,80 de kilo, mais là, tu as le rôti du Watt à 6,11 de kilo. C'est sûr qu'on ne parle pas de la même qualité, là, OK, ça c'est clair, mais à 6,11, c'est quand même pour le rôti du Watt. Lui, il est en paquet familial en plus. Mais quand même, c'est super. Moi, te dire, là, moi, je l'ai essayé ça directement, le rôti du Watt, dans l'Instapot. Parce que ce qui arrive, c'est quand je le fais à outil, des fois il tend, des fois il pas tend. Puis bon, tandis que quand je le mets dans l'Instapod, il est trop cuit. Là, pour moi, à mon goût, c'est sûr. Mais les enfants aiment ça. Parce que là, c'est comme s'il perdait toute sa résistance. Là, il est plus tendre, il est goûteux. Parce que dans l'Instapod, comme ça infuse le jus. Fait que veux pas, il est très goûteux. Mais ça assèche la viande, moi, je trouve, en tout cas, personnellement. Mais en tout cas, il y a des gens qui aiment ça, les enfants. Donc, écoute, c'est une belle protéine, puis surtout, tu peux faire plein de choses avec ça. C'est tellement maigre. Tu peux faire des cubes, tu peux faire des lanières, tu peux faire pâte de terre, tu peux faire pepper steak avec ça. Écoute, fait que c'est vraiment pas cher, parce que c'est ça qui est l'idée aussi. Hein? C'est qu'on veut te nourrir sans que ça nous coûte un bras et une jambe. Hein? Fait que c'est ça. Fait que le rôti du roi, là, à 2,77 la livre, ou si tu peux faire 6 et 11 le kilo, c'est un très bon prix. Aussi, ben écoute, si tu veux pas te casser la tête cette semaine, là, faut de temps en temps, c'est sûr que c'est pas merveilleux, mais quand même, c'est pas, il y a de la protéine là-dedans, c'est le poisson pané eyeliner. Le poisson pané, c'est quand même assez cher, ça. Hein? Puis là, tout un 700 grammes, donc 3/4 d'un kilo, là, c'est une livre et demie, OK? Une livre et demie pour 5,77. Donc, avec 5,77, tu achètes le poisson que tu veux, là, un 700 grammes, si il y a des... Il y en a des meilleurs, des fois ils sont 350 grammes. Fait que 350 grammes pour 4, c'est pas assez. Il en achète 2. Là, t'es correct. Sinon, tu sais, tu veux t'organiser pour en avoir à peu près 700-800 grammes. Là, tu sais, avec un petit riz, un petit brocoli ou un chou-fleur avec ça. Écoute, ça fait un job. Surtout que ça reste du poisson. Puis des fois, les enfants, ils panient. Donc, on commence avec un poisson comme ça pour après ça, là, passer à l'étape supérieure, le vrai, moi j'appelle ça le vrai poisson, le saumon frais ou la filet de truite, le filet de saumon, t'sais. C'est sûr qu'on va en venir à ça, mais c'est quand même beaucoup plus cher le filet de saumon, là, même en spécial, tu sais, à mettons 20$ le kilo, versus ici, là, pour un kilo, ça va te coûter à peu près 7$, tu sais, puis il est tout fait, tout prêt. C'est sûr qu'il y a du sodium là-dedans, puis c'est un produit qui est préparé, mais quand même, je te dis, une fois de temps en temps, si tu manges avec des bons accompagnements en santé, ça fait le travail, puis ça coûte vraiment pas cher, puis c'est surtout facile à faire. Écoute, fait que c'est ça qui est ça pour la liste de papa popote cette semaine. J'espère vraiment que tu vas aller voir là, dans ton espace privé, aller vraiment constater, là, puis voir, là, faire une liste, parce que là, je te donne des produits, des protéines en vedette, mais il y a beaucoup d'autres, il y a des tomates cette semaine, soit en spécial, il reste encore quelques légumes racines à profiter avant que ça tombe plus en spécial, qu'est-ce que je te dis, c'est ça qui est ça, hein, le temps passe, mais va voir, il y a des beaux spéciales à profiter, puis il y a des belles économies à faire, ça, c'est sûr, 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 fait que je te souhaite, bien sûr, de passer une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.